retour dans le donjon de Dreadmore. Oh, une consequencia. Encore un truc de perdu. L'artefact magique Trogng, le radiant hibou, a été perdu. Voulez-vous bien partir à sa recherche? J'accepte. Uniquement pour vos beaux yeux et la récompense qui va avec. Ok. Ça en est fini pour ici. Oh. Yeah. Premier ennemi de l'épisode 7. Je me suis aperçu que j'avais une super haute stat. Question sneak. Sneak, c'est caché, c'est capacité à se déplacer en silence. Il y a 24. Je sais pas trop comment c'est possible. Mon truc a décidé de ne rien traduire. Mouchard. Ouais, c'est ça, c'est vraiment la capacité à se faufiler. Et ça me permet de ne pas réveiller les ennemis, par exemple, apparemment. C'est ce qui est écrit. Oh! Et donc, ne violente pas ma moustache par derrière pendant que j'ai le dos tourné. Et on n'a plus qu'à retourner à l'entrée, effectivement. Oh! Bim! Bam! Qu'est-ce que j'ai à donner? Pas grand-chose, donc on va tout garder pour l'instant et on va monter là-haut. Ok, dernière partie. Oh! Utilisons un peu de pouvoir. Hop, shaish. Laissez-moi partir. Ok. L'auto savait parfaitement que ce n'était pas la peine de risquer le danger pour rien. Il connaissait ses capacités. Oh. Plein de bonnes choses par ici. Ouais, mais non. Sans façon. Je le prends, mais je le vends. Ok. Ok. C'est ce qui me semblait. Est-ce que je peux les séparer? Non. Non. Je ne peux pas les séparer. J'ai été débile. J'aurais dû le déposer moi-même manuellement. Bien. De ça. Quelle déception. Ça, je peux en faire quelque chose. Oui. Et qu'est-ce que je fais avec le bituminous coal? Oh, il faut que je la mélange. Ok, d'accord. Il faut que je trouve un peu de craie. Bien, 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 avançons un petit peu là. On traîne, on traîne. Yeah! Encore un peu plus de matière première. J'adore faire ça. Copper. Cuivre. Oh! Ah non, raté. Je pensais que ce serait de la craie, mais non. Hop. Miaou, Bathilde! Morte. Retrouvée éviscérée dans les couloirs. Oh my. Rappelez-vous, toujours laisser des épées volantes dans les couloirs.
se débarrasser des méchants. Ok. Oh. Encore un Uber chest. Critical hits. Oh. Ok, de quoi vendre. Oh. Yeah. Blobby. Oh. Ok. Ouh. Tant pis, on a laissé notre petite moustache de l'autre côté, mais ça devrait aller. Waouh. Eh ouais. L'auto-sourit en voyant le sol de la pièce, rempli de sang et de viscères, et sa petite moustache animée. Le sourire aux lèvres. Fantastique. Ouch. J'imagine que t'as fait ton pain. Bam. Oh. Avec ça, je dois pouvoir faire un sandwich. Oh, j'ai 14 balles de baseball. Je crois m'en servir. Faisons d'abord notre petit sandwich. Parce que je suis presque sûr que ça marche comme ça. Yeah. 40 points de vie, mais non. Ça se garde, ça. Wow. J'adore ça en plus. Sandwich. Wow. Plein de stats en plus. Yep. Oh, je fais des dégâts divins, c'est pour ça que ça fait ce bruit là. Oh, pendant encore 37. Yeah. Yeah. Cul-de-sac, magnifique. Je suis en train de gâcher de mes pouvoirs. Et c'est fini, magnifique. Trois portes, donc. Pas de choix vraiment difficile, puisqu'il avait décidé de raser tout l'étage. Yeah. Pauvre fou. Yeah. Ok. Non. Oui. Bam, 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 bam. Destruction totale. Non, je veux frapper dans le tonneau. Oh, j'ai réussi. C'est un des pires pièges, celui-là. Il enlève tellement de vie. Ça fait mal. Ok. Open it. La salle. Comment on appelle ça? Le reposant vestibule des fourchettes. Comme ça que s'appelle cette salle. Ce qui est marrant, c'est que toutes les salles aussi sont le nom de toutes les salles est généré et il est généré aléatoirement.
si seulement j'étais bilingue, on pourrait comprendre un peu. Oh, je suis pas spécialement fait gaffe à ma vie. Je te laisse gérer tout seul, hein. Une équipe d'enfer tous les deux. Même si bon, tu fais un peu tout le boulot. Oh. Non. On ne laisse pas l'argent par terre. Non plus. Oh. Encore des balles de baseball. Vraiment en avoir plein les poches de ce truc-là à force. Pousse-toi de là, sinon je vais te frapper. Voilà, va t'occuper de lui. 25 balles de baseball, il va falloir qu'on s'en serve. Hein. Oh my god! On a qu'à faire ça maintenant. Bim! Bam! Bim! Bam! Boum! Bim! Boum! Bam! Voilà. Déjà mort. J'imagine que je t'ai laissé trop longtemps tout seul. Ok, encore des œufs de Deagle. Des œufs Deagle, non? Oh, j'ai cru que j'avais monté de niveau. Peut-être pas exagéré. Ok. Je crois presque pouvoir dire que l'épisode 8 sera l'épisode de la descente à l'étage suivant. Ok. Revenons rapidement en arrière. Terminons cette salle-là. Il ne restera plus que le couloir. Oh, il y a du peuple là. Infernal Potion. Je fais des dégâts sévères. Profitons encore du pouvoir. Oh yeah. Bien, voilà ce qui arrive quand on s'en prend à nous. Ok. Oh. Mamma mia. Pas trop mal, mais il est pas terrible non plus, quoi. Ce truc que je viens de gagner, là. Il me retire 3 de puissance magique, j'en ai que 8. Non, c'est pas la peine. Ah. Ouais, c'est pas si... Ok. Bon, restons ici. Et occupons-nous... Attendez. On va voir quand même si je peux pas me servir de mes... De la fin de ma potion infernale sur quelqu'un. Non. T'es coincé toi? Tu viens là, merci. Bien, bien, bien. Alors, dernière chose pour cet épisode là, s'occuper encore des lingots. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Je devrais pouvoir en fabriquer des trucs maintenant quand même. Je vais terminer l'épisode là donc. Fin de l'épisode 7. L'épisode 8, on balayera ce qui reste de l'étage, on ira vendre et on descendra à l'étage inférieur. Soyez présents pour l'épisode 8 des Dungeons of Dreadmoor. Bye bye.